Je suis très heureux d'inaugurer aujourd'hui donc les nouveaux locaux de l'hospitalisation à domicile. C'est un service très important pour l'hôpital de Grasse qui prend en charge plus de 120 patients par an, une activité très dynamique qui était en première ligne aussi pendant la crise Covid. Et donc on est très heureux de pouvoir offrir au personnel qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour nos patients des locaux propres, aérés, spacieux et qui vont considérablement améliorer leur qualité de vie au travail. Je crois qu'on est tous heureux aujourd'hui d'inaugurer ces nouveaux locaux. C'est un pas en avant de l'HAD, c'est encore un progrès, c'est encore une augmentation de qualité de travail pour un service hospitalier et direction de l'extérieur, puisque les patients ne sont pas dans les murs, ils sont chez eux ou ils sont en maison de retraite et tous les jours on s'y déplace. Mais néanmoins, il y a une activité locale de coordination, de préparation de traitement, d'enquête, de traçabilité, de plein de choses qui doivent être faites ici, et des locaux importants, neufs, proximité des véhicules, étaient absolument indispensables.